Bonjour à tous et bienvenue dans le Vlogmas numéro 21. Alors là, je suis en train de me préparer parce que je m'apprête à vous filmer enfin la vidéo sur mon premier trimestre de grossesse et notamment avec l'annonce fille ou garçon. Donc patientez encore jusque demain parce que je pense qu'elle sortira samedi du coup. Donc je sens que la vidéo, je vais beaucoup blablater, ça va être ça de toute façon, je vais tout vous expliquer face caméra comment s'est passé mon premier trimestre de grossesse. Et ça, vous avez été assez nombreuses à me le demander, donc c'est cool, j'ai pas mal de choses à vous dire. Voilà, j'ai hâte de vous raconter tout ça. Après avoir filmé cette vidéo, on va aller faire encore un petit peu de shopping, il nous reste des cadeaux de Noël à trouver et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans les magasins. Ça, c'est un peu ma hantise, mais bon, quand il faut, il faut, c'est de ma faute. Je me suis prise un peu tard et là, j'ai toujours pas le cadeau de Greg en fait. C'est le principal et je l'ai pas, donc on va aller voir. Il va m'aider à me dire ce qu'il a envie. Donc, du coup, je me boucle les cheveux hein, pour faire la vidéo parce que j'ai envie d'être bien apprêtée quand même parce que je pense que c'est une vidéo que je vais re-regarder, je vais vouloir la voir d'ici quelques mois, quelques années. Donc voilà, j'ai quand même essayé de faire un minimum d'efforts. Donc du coup, je viens de finir de tourner la vidéo et c'est le moment d'ouvrir les calendriers. Donc hop, donc aujourd'hui le 21. Bon, je crois que tant pis, je dégomme tout. Hop. Alors là on a une palette de fard à paupières pour le bleu libellule. Donc c'est la même palette en différentes couleurs. On avait déjà une petite palette comme ça dans le mauve. Juste, enfin je sais plus quel numéro. Mais bon. Alors pour le 21 dans le Sephora, on a une assez grande case. Et qu'est-ce qu'on découvre? Une lingette dissolvante express. Bon, je pense qu'on a déjà eu ça et puis... comme je vous disais, pour moi ça fait partie des goodies quoi, c'est pas un cadeau de ouf. Donc ouais, Sephora, je suis désolée mais je suis déçue du calendrier. Et puis le The Body Shop, donc pour le 21. Il est ici. Alors, numéro 21, The Body Shop, on a un petit pot de crème riche nourrissante. Alors je pense que c'est pour le corps, je ne suis pas sûre. Mais il me semble bien. Est-ce que c'est écrit en français derrière, s'il vous plaît? Je vois pas, c'est pas écrit en français, mais je vois que c'est écrit genre en des langues différentes, crème corporelle. Donc je pense que c'est pour le corps, hein, corporel. Mais cool, franchement, ça, ben, je m'en mets pas mal en ce moment. Oh, elle sent trop bon! Oh mon dieu, une tuerie! Puis ça fait vraiment, vraiment crème quoi, peau de crème, c'est pas trop liquide. J'adore. The Body Shop, comme d'hab, un sans faute! Bon alors je suis rentrée de mon après-midi shopping et je suis contente, j'ai fini les cadeaux de Noël, trop bien, enfin c'est bouclé, maintenant il reste plus qu'à faire les courses, demain ce sera les courses pour le repas etc, enfin je pense qu'on va faire plein d'entrées, bref je vais voir ça, faut que je fasse une liste. Et j'ai trouvé tout à l'heure à l'incroyable des petites assiettes, tout ça pour la table. Tout est sur le thème or en fait, or et noir, j'aime bien. Donc j'ai trouvé des assiettes comme ça en carton, mais couleur or. Franchement c'était pas cher du tout, donc je me suis dit ça fera tout son effet. Et comme j'ai pas d'assiette vraiment, on est 11, et j'avais pas d'assiette vraiment 11 assiettes pareilles, donc au moins ça sera présentable sur la table. J'ai pris également des plateaux comme ça, couleur or, pour mettre les petits toasts et tout. Je pense que ça va faire sympa. Des gobelets couleur or. Et j'ai trouvé aussi un chemin de table noir avec des petites paillettes or. Vous ne verrez pas bien ici, mais bon. De toute façon, je vous filmerai ça le jour où je préparerai ma table. Voilà, donc sur ce, je vais aller me coucher parce qu'il est tard. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog.